شو محسن الدارجة ديالي المحرقة ولا فرنساوية؟ حرقة. يلا أول حاجة شرف كبير نكون معكم اليوم. بزاف مرات كيعيطوا لي باش نجي نهضر طون دي كونفيرونس، مي بالنسبة لي كان مهم نكون معكم اليوم. Surtout, ils m'ont dit, il y a beaucoup de jeunes étudiantes qui, pour moi, Nesba Lili, vous représentez l'avenir d'El Bledna. Et j'espère que dans le futur, vous trouverez votre place, Inch'Allah, dans le Maghreb. Et vous aurez un nom, l'avenir de la Coupe du Monde. Donc, il y a le leader plutôt à l'expérience de la Coupe du Monde. Le leadership, ou le leadership pour partir. La dernière Coupe du Monde, elle fait une montage. Nous avons été aidés avec l'Espagne. Nous avons été aidés. Nous avons été aidés avec l'Espagne. Nous avons été aidés. Il fallait changer les mentalités. Nous avons été aidés avec l'Espagne. Nous avons été aidés. 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 Que vous êtes capable, vous n'êtes pas moins bon que des Américains, des Chinois, des Européens, ou bien la capacité. Donc, on a mis quelqu'un de chauffe. Par exemple, Hakim Ziyech, Ashraf Hakimi, Mazraoui, Anna Nasseri ou Bono Livseri, quelqu'un de Goulou, vous êtes dans la cour des grands déjà. Donc, pourquoi on va aller à la Coupe du Monde? On aura des joueurs qui ont l'air beaucoup tous les week-ends. Ensuite, on a la capacité d'organisation au Maghreb, la fédération Jemia, et je tiens à remercier particulièrement le président et sa majesté l'Aïmoussou qui nous ont donné les moyens nécessaires pour pouvoir se battre à armes égales avec les grandes nations du football. Et la capacité psychologique du joueur marocain, mais je pense que Tiahla, les Marocains, on est comme ça, on a besoin de confiance. Anna dit que le problème intellectuel, on doute beaucoup. Dis-moi qu'un flou, mais tiens, quand j'y tiens les familles, le Walid Indienna, a chauffé ou le flemme, chat, derhachi, chauffé ou le flemme, ando Echrin, Echrin, tiens, j'ai tiré 30 tâches, ma radish tout sale, chauffé ma trottiche, je sais pas c'est quoi la meilleure école d'ingénieur, fait l'Alem. Anna! Un petit livre d'une semaine. Qu'est-ce qu'il y a des règles régulières américaines ou la fin? Et bien ça justement, ça fait partie justement de se dire qu'on est dans les meilleures capacités, les meilleures conditions pour réussir. Et la meilleure école, c'est la nôtre. Et même si d'autres diront que c'est ailleurs, non, c'est la nôtre. Donc, c'est une question juste de confiance. Même quand il y a des gens qui vous disent que c'est pas possible, que ça va être dur, c'est jamais facile. Et c'est toujours dur, mais je trouve slow. Pour être quelqu'un qui réussit, il faut tomber, il faut se relever. Il va y avoir des doutes. Des fois, vous n'aurez pas les bonnes notes, des fois, vous ne serez pas accepté. Mais un a qu'un amen, ni quatre mots, quatre sebro, quatre aoudo, ma quatre tokoche, ma quatre toyitko, vous pouvez réussir. Et il y en a qui réussissent plutôt que d'autres. Mais comme je dis, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, c'est-à-dire, vous verrez où vous arrivez. C'est difficile de vous dire plus que ça, c'est que Dick Dironia a fait une conférence de presse où l'Arkal a dit que je suis parce que je suis dans le monde qui a amené l'énergie qui a été positive. Ou peut-être que je suis peut-être bien sûr que je suis dans le monde parce que des fois les ondes positives elles viennent de votre entourage. Il y en a qui vont essayer de vous pousser. Et il y en a qui vont essayer de vous faire tomber. Mais quand tout le monde croit en vous, tout le monde pousse, tout le monde dit, on sait que vous êtes capable, subhanallah, comme je dis, le Kora, Tadrap Poto, quatre roches. Alors, ce n'est pas juste une croyance de dire, ouais, un dernier, et je ne vais pas me lever le matin et ça va réussir, ou bien je vais travailler. Non! C'est que les ondes, elles sont importantes d'avoir la confiance en soi. C'est très important. Parce que vous êtes jeune,
Mais moi, par exemple, en tant qu'entraîneur, je n'ai pas gagné tous les matchs dans ma carrière. Je n'ai pas gagné tous les titres. Mais le fait de perdre des titres, ça m'a permis d'avoir l'expérience nécessaire pour à la Coupe du Monde, pouvoir savoir ce que c'est que de pouvoir faire gagner un groupe. Et par exemple, en 2004, Arsenal CAS Africa Tunis en finale, c'est un de mes plus mauvais souvenirs. Mais j'ai appris de cette défaite pour revenir plus fort, par exemple, à cette Coupe du Monde et pouvoir faire passer les bons messages à mes joueurs. Donc, la confiance en soi, c'est important. Le travail et l'entourage aussi. Et ne pas lâcher. Aujourd'hui, c'est extraordinaire comment le Maroc se développe. La place de la femme a évolué au Maroc. Et c'est important parce que vous êtes l'élite, Inch'Allah, du Maroc. Vous allez pouvoir faire progresser le pays. Vous êtes peut-être des futures mamans ou non. Ça ne veut pas dire que vous réussissez ou pas. Mais vous allez transmettre aussi des valeurs à vos enfants. Et c'est important que ces valeurs, Inch'Allah, à l'avenir aussi, ce soit un Maroc du futur qui réussisse et qui est capable justement de faire grandir ses enfants pour réussir. Et vous avez une grande responsabilité, hein, peut-être plus que les footballeurs. Maintenant, on joue 10 ans et on est de passage. Vous êtes dans la société ancrée, vous faites passer des messages et vous avez plus de valeur pour moi que des footballeurs. Nous, on ne fait que courir après un ballon. Après, il y a l'avenir justement. Alors à chaque fois, c'est ce que je vous dis. Maintenant, on est là-bas, on a dit un titre, 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 Inch'Allah. C'est normal. Alors, on a dit un titre, je vais faire la slavocale. On me dit souvent, ah, t'as la pression d'abord. C'est comme vous, quand vous rentrez dans une entreprise, Inch'Allah, premier emploi, t'as la pression, maintenant on va te demander de réussir. Alors comment je retire la pression? C'est donner le maximum, pas avoir de regrets. Je fais le maximum, je regarde tous les détails pour Inch'Allah qu'on puisse ramener la Coupe d'Afrique au Maroc, mais je sais que c'est possible, parce qu'on fait qu'un sport, on fait un sport qui est difficile. Nikon Canada, Alain Poto, ça peut nous arriver aussi nous, d'avoir un match où on ne va pas réussir, on va se faire éliminer, mais je suis persuadé qu'à partir du moment où on donne le maximum, on donne de la confiance et on ne met pas de la pression inutile. Et c'est ce que je vais donner aux joueurs, Inch'Allah. Et je préfère la prendre moi en tant qu'entraîneur. Prendre la pression pour moi, pour libérer mes joueurs de la pression. Et vous ne devez pas vous mettre cette pression. La pression, elle est bonne de temps en temps, mais elle est souvent négative, surtout pour nous. On est éduqués comme ça, malheureusement, on ne va pas changer en 5 ans, 10 ans. Mais à l'avenir, Inch'Allah, on a au moins cette pression. Mais la pression, elle n'est pas bonne pour nous. Donc il faut regarder toujours les choses positives. Nous, on va aller à l'avenir pour gagner, Inch'Allah, pour donner le maximum, pour rendre fier notre peuple, avec nos valeurs, comme on l'a montré à la Coupe du Monde. Et après, il y a quelque chose de plus grand qui fait qu'à un moment donné, ou on sera récompensé ou pas. Mais si on n'est pas récompensé à la prochaine Coupe d'Afrique, on va repartir pour encore la gagner jusqu'à ce qu'on la ramène, Inch'Allah, au Maroc. Et c'est comme ça que je pense, et c'est comme ça que j'espère vous, dans vos études, vous penserez. Après, j'ai rien de particulier à rajouter. C'est difficile pour moi de rajouter d'autres choses. Merci en tout cas, parce que quand on est rentré au Maroc, honnêtement, il est ma kounash kana dolbel. Et quand on est rentré, on s'est rendu compte qu'en fait, au kashi haja. Trashi haja, bledna, alhamdulillah. Trashi haja, les positifs. Jum'o, la ilad. Peut-être vous êtes identifié à cette équipe. Et c'était mon premier objectif, c'était que, ni quatre fois, j'ouvre un match. Trop de belles ou quoi, tchè, quand t'as goulé à bas, qu'elle ktar m'le kora, qu'elle chab yana, qu'elle sinam, ni chauffe. Une équipe qui se bat pour son pays. Et je pense qu'on l'a bien rendu, et vous nous l'avez bien rendu. Quand on est rentré, c'était un accueil extraordinaire. J'espère qu'à l'avenir, on ne vous décevra pas, Inch'Allah, on fera le maximum pour ça. Mais en tout cas, vous nous l'avez rendu, et je voudrais vous dire encore merci. Et Inch'Allah, al-Farahkom encore. Merci. Bienvenue. Merci. Ardak Loulidine, c'est important.
شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.